PSG Milan, c'est le choc de cette Ligue des Champions, le choc de la troisième journée. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG Milan AC. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est fort, on est parti. Alors, les amis. Le PSG va jouer le Milan AC dans le troisième match de Ligue des Champions. Je rappelle que dans cette poule, le PSG est troisième et deuxième autant pour moi avec 3 points. Premier, c'est Newcastle avec 4 points. Deuxième, PSG avec 3 points. Ensuite, le Milan vient avec 2 points. Troisième. Quatrième, c'est Dortmund avec 1 point. Donc, dans cette poule, tout est encore jouable. Tout le monde peut se qualifier. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça le groupe de la mort. Du coup, donc, le PSG va recevoir le Milan AC dans un match déjà décisif. Un match, donc, si le PSG ne gagne pas, ça va déjà le mettre très en difficulté. Donc, ils ont intérêt à gagner ce match. Et pour que le PSG remporte ce match, à mon avis, il faut une grande équipe du PSG. Mais surtout, il faut un grand client. Parce qu'on ne bat pas le Milan en claquant des doigts. Hein. On ne bat pas le Milan AC en claquant des doigts. Tu dois faire un match très convaincant, très sérieux, très costaud. Et Luis Enrique doit vraiment trouver la bonne formule. Parce que face à Newcastle, on a vu son PSG totalement dépassé par le pressing, l'intensité. Est-ce que le Milan AC va mettre ce pressing, cette intensité? J'ai un doute parce que cette équipe a l'air d'une équipe qui attend et qui procède en contre. Mais si elle vient mettre de l'intensité, je pense que ça va gêner le PSG parce que le PSG a du mal avec des équipes qui pressent haut. On l'a vu face à Nice, on l'a vu face à plein d'équipes. Lorsque tu essaies de presser le PSG haut, ça les gêne. Face à Newcastle, on l'a également vu. Donc, j'espère que Luis Enrique va trouver la bonne formule pour que son équipe puisse s'en sortir dans ce match, pour que son équipe puisse prendre les 3 points. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. De toute façon, c'est à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!